yakweyo yakumuka lengo twakuji yakweyo iyakushabana wa yakweyo yoyo yakweyo. Bienvenue chers amis, bienvenue chers téléspectateurs ou téléspectatrices de la chaîne Tout Savoir Télévision. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que la République démocratique du Congo a perdu une figure emblématique. La République démocratique du Congo est en deuil. Je crois que tout le monde connaît de quoi je parle. Il est né le 14 décembre 1932. Il a servi pour son pays. Il a tout donné. On le qualifie le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Lui, c'est M. Étienne Tshisekedi. M. Étienne Tshisekedi nous a laissé le 1er février 2017 à l'âge de 84 ans. Raison pour laquelle nous voulons honorer sa mémoire avec cette édition spéciale. Merci chers téléspectateurs pour la confiance que vous donnez à notre chaîne de télévision Tout Savoir Télévision, la télévision du millénaire. On ne pouvait pas laisser cet événement. Nous sommes venus contacter, ou soit nous sommes venus voir qu'est-ce que les Congolais qui habitent ici aux États-Unis vont faire pour honorer la mémoire de celui qu'on appelait B50, de celui qu'on appelait Sphinx délimité, de celui qu'on appelait Mukongwa Choko, beaucoup et tant d'autres noms qu'on l'a surnommé justement pour garantir les combats qu'il menait. Alors, sans plus tarder, je crois que vous avez déjà reconnu toutes ces figures. J'ai à ma gauche Papa Dieudonné. Bonsoir Papa Dieudonné. Bonsoir Monsieur Touté. J'ai à ma droite Merlon Cab Imperium. Bonsoir Merlon. Bonsoir. Je crois que, chers téléspectateurs, vous allez comprendre ce soir pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous voulons plaider cette figure de la politique RD congolaise qui est partie. M. Étienne Tshisekedi est parti, mais il nous a laissé des idéologies, il nous a laissé son combat, il nous a laissé un combat noble que tout le monde, que tout Congolais doit mener. Alors, pour ne pas trop parler, je suis avec les gens qui sont censés nous dire exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais bien avant cela, ils doivent se présenter d'abord parce qu'ils sont en réunion stratégique pour déterminer comment les obstacles de M. Étienne Tshisekedi ou Mbuluma, plusieurs fois Premier ministre en République démocratique du Congo, président d'honneur du parti Union pour la démocratie et le progrès social. Il est parti, mais il nous a laissé des gens qui vont nous éclairer, qui vont mener les combats que celui qu'on appelait B50 a commencé. Maintenant, les gens vont vous regarder. Vous êtes en deuil. Vous avez perdu un président d'honneur d'abord, de l'IDPS, parce que je rappelle aux gens, vous êtes de l'IDPS, premièrement. Et deuxièmement, le Congo, en général, a perdu celui qu'on appelait le père de la démocratie. Vous pouvez d'abord vous présenter, une brève présentation. Ensuite, je vais vous poser une question concernant cette mort. Je suis très content vraiment pour la parole. Merci, comme vous venez de le dire, encore une fois de plus, je m'appelle Merlon Kabamba, mais le nom que les gens aiment bien m'appeler, c'est Merlon Cab Imperium. Voilà. Merci Merlon. Papa Dieudonné, je sais que beaucoup vous connaissent, beaucoup ne vous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter rapidement auprès des gens qui nous regardent, les gens qui vont nous regarder, pour qu'ils vous connaissent. Ok, merci beaucoup à la nation congolaise, attristée pour l'événement de notre cher papa, pour nous et pour les autres, c'est un grand-père qui vient de nous quitter depuis le 1er février de cette année. Moi, mon nom c'est Dieudonné Djibou,
Je suis aussi partisan de l'IDPS. Nous étions en réunion qui a connu au moins 45 à 1 heure du temps, une réunion là de stratégie. Je crois que la primaire est réservée à ceux-là qui sont donc des responsables et qui prendront quand même des décisions que vous aurez la suite dans les prochaines années. Voilà. Alors, chers amis, avant que vous puissiez regarder ce qui s'était passé ici, je voudrais poser une toute première question. Nous allons y revenir. Je vais vous laisser suivre le compte rendu avec les membres qui ont participé à cette réunion de ce soir. Nous sommes dans la ville d'Iowa City. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Les Congolais se sont décidés de se réunir pour voir comment ils vont honorer les pères de la démocratie, messieurs, à la personne de M. Étienne Tshisekedi. Merlon, avant que je vous laisse, avant qu'on laisse les téléspectateurs voir ce que vous venez de faire tout à l'heure, quel est l'unique souvenir que vous gardez de cet homme qui était considéré comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo? Voilà, en tout cas, merci beaucoup encore. Il fallait plus pour la parole. Le souvenir que je dois vraiment retenir pour notre Bessengandé, le président Élie, comme on l'a toujours appelé, c'est que le président nous a vraiment légué quelque chose de meilleur. Le président a fait de nous une génération qui doit savoir dire non quand on est devant un dictateur. Le président nous a appris vraiment à se défendre quand vous êtes devant vos droits et qu'on veut prendre l'avantage sur vous. Le président Tshisekedi nous a mené à un niveau de voir les choses en face et de réaliser que notre conscience doit d'abord faire avant de faire quoi que ce soit. Et la plus grande chose que le président Tshisekedi nous a laissé, c'est de se prendre en charge. Voilà tout ce que je peux te dire. Ce qui m'a marqué et ce qui a fait que je puisse regretter la mort du président, c'est parce que le président est parti. Mais je suis content parce que je sais que le président n'est pas parti, mais l'esprit de Tshisekedi est en nous. Voilà, l'esprit de Tshisekedi est en vous et surtout les Congolais. Mais c'était donné, le président Étienne Tshisekedi n'est plus là. Certaines langues disent que, comme le président Tshisekedi est parti, la démocratie, en République démocratique du Congo aussi, est finie. Quelle est votre réponse par rapport à ce genre de raisonnement de beaucoup de Congolais? Bon, ce que je peux dire aux Congolais, c'est de savoir que si Tshisekedi aujourd'hui a quitté ce monde ici, il a laissé aussi ses enfants. Si je dis ses enfants, on ne voit pas seulement les enfants biologiques. Tout d'abord, tout peuple congolais est derrière le président Étienne Tshisekedi. Et pour dire que la démocratie a pris fin, donc c'est peut-être pour les ignorants. Ils peuvent dire que non, là, c'est fini pour la démocratie. Mais si nous regardons bien, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et la seule chose que nous pouvons retenir chez notre président d'abord, c'est le charisme qu'il avait. Donc le fait de dire non, si pour lui, s'il dit non, c'est tout un non. Ce n'est pas un non pour demain, sa chance, ça devient oui non. Et je dirais aux Congolais, jusqu'à la fin, il a gardé seulement une seule femme. Donc, c'est en quelque sorte, c'est un enseignement. Il est en train de nous inculquer pour dire que nous devons être, surtout pour les mariés. Je le dis surtout pour les mariés congolais. Vous devez garder vos femmes comme l'a fait notre papa Étienne Tshisekedi. Si vous regardez comment on a applaudi en Belgique sa femme, c'est avec beaucoup de plaisir que maman Marthe a gardé ses papas là jusqu'à la fin. Si ça n'est ainsi pour nous les Congolais, pour surtout les Congolais mariés, je crois qu'on n'aura pas de difficultés dans nos vies conjointes plutôt. Alors je demanderai aux Congolais d'être derrière
Parce que tu sais que Dieu est parti, il y a ceux-là qui sont restés pour nous conduire. Nous avons son fils Félix Tshisekedi. C'est lui qui va désister pour ou soit refuser Félix Tshisekedi, donc il n'est pas de l'IDPS. Il faut qu'il fasse une autre partie comme l'IDPS. Mais nous devons être derrière Félix Tshisekedi, l'appuyer, parce que c'est la seule personne qui est restée pour nous conduire. Je crois bien, même dans la Bible, Moïse a conduit le peuple israélien. Mais Moïse n'a pas vu la terre de Canaan. Il y a son frère qui avait pris le relais pour amener le peuple vers la ville de Canaan. Alors Félix, c'est le fils de Tshisekedi. Donc il est mieux placé pour diriger, pour faire avancer cette population qui est restée vraiment... Pour dire bien que nous sommes, on dit que... Orphelins. Orphelins. Alors... Nous devons nous confier à Étienne Tshisekedi, à Félix Tshisekedi, pour que la démocratie résiste et demeure pour toujours. En tout cas, je vois les larmes aux yeux, mais c'est des données est affecté. Je vais vous retourner, chers amis, je vais prendre la parole encore, mais voyons d'abord ce qui s'est passé ici, et on se retrouve juste après. Ne zappez pas, nous allons... Nous y reviendrons. Yeah, bonjour chers amis, mon nom c'est Fiston Mbaya Lutondo, partisan et allié et membre de l'UDPS depuis mon enfance. Aujourd'hui nous avons fait avec nos frères ici la réunion à propos de la mort de notre patriarche, Papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba. On ne peut pas parler de Papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba sans autant parler de la bibliographie, de son passé. Notre Papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba est né le 14 décembre 1932 à Kanan, Loibourg. Son décès, couramment ici le 1er février 2017, à l'âge de 84 ans à Bruxelles. Son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que l'UDPS. Notre papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba est le premier étudiant congolais à l'université de Luvanium dans la faculté de droit, dont il a eu le mérite de docteur en droit à l'université. En 1960, notre papa Étienne Tshisekedi est membre du commissaire général au gouvernement provisoire et met en place par Joseph Désiré Mobutu. En 1982, notre papa Étienne Tshisekedi participe à la fondation de l'UDPS et en 1990, Desaïr met en place une CNS et Tshisekedi est élu le premier ministre, tout le premier ministre congolais élu démocratiquement. Et la deuxième fois, M. Étienne Tshisekedi, qui est encore le premier ministre en 1997. Notre papa Étienne Tshisekedi, en juillet 2014, quitte la RDC pour la Belgique. Il est traité par des problèmes médicaux et pour sa santé, tout ça. Il reste jusqu'en juillet 2016 et il effectue un retour de Kinshasa, applaudi par des milliers de téléspectateurs et de partisans de l'UDPS et surtout des peuples congolais. Et en retour, Papa Étienne Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour raison de santé et il ne revient plus. Et tout ce que nous pouvons encore ajouter, c'est que personne ne l'ignore parce qu'en 2011, le président Tshisekedi a été élu encore démocratiquement. Il fut notre président des Congolais qui a été élu pour la première fois. Un président élu démocratiquement en 2011 et notre élection a été volée par Joseph Kabila, comme tout le monde le sait. Et le président Tshisekedi a fait tant d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, nous tous, comme nous sommes là en train de s'habiller en cravate, c'est grâce au président Tshisekedi. Parce qu'à l'époque, avec le maréchal, personne ne pouvait porter s'habiller en cravate. Mais avec le président Tshisekedi a osé dire non à ce que Mobutu disait aux Congolais. Et aujourd'hui, nous pouvons tous s'habiller en cravate.
Le président Tshisekedi a fait tant de choses et il a beaucoup marqué notre génération, il a beaucoup marqué la jeunesse congolaise parce que vous savez, vous pouvez être jeune, c'est bien, mais quand vous regardez Tshisekedi, l'homme de 84 ans, vous trouvez que Tshisekedi a 84 ans, mais vous trouvez la jeunesse en Tshisekedi. C'est-à-dire un vieux de 84 ans, mais nous pouvons encore dire un jeune de 84 ans, parce que Tshisekedi était aimé par la jeunesse. Un homme du peuple, et je peux me limiter d'abord par là et laisser aussi la parole à mes frères, s'ils ont quelque chose à ajouter à propos du président Tshisekedi. Oui, ce qu'il faut ajouter de ma part à propos du président Tshisekedi, vous voyez dans notre pays, la République démocratique du Congo, le système dont nous vivons, c'était un système dictatorial. Ce papa que vous voyez a tout fait dans son effort. Il est mort pauvre. Il n'a pas voulu accepter l'argent ou d'être manipulé par le pouvoir ou d'être manipulé par qui que ce soit pour au détriment du peuple congolais. Le papa Tshisekedi, dans toute sa vie, il s'est battu pour l'intégrité et la progrès social du peuple congolais. Vous voyez, regardez vous-même, vous vivez avec des voisins dont tu es riche et d'autres sont pauvres. Papa Tshisekedi voulait que tout le monde puisse vivre au pied des mêmes égalités. Voilà ce papa, voilà ce monsieur qui s'est battu depuis toute sa vie. Il n'a pas voulu suivre les honneurs. Sur le tapis rouge, marcher sur quoi que ce soit, manger des caviar. Et M. Tshisekedi a voulu vivre avec des prisonniers. M. Tshisekedi a voulu vivre avec des peuples démunis, avec des peuples qui souffrent comme lui. Il est mort pauvre à cause de vous, à cause de nous, le peuple congolais. Et c'est pour cela, ce soir, entre nous et frères, nous ne voulons pas que cette mort soit passée inaperçue sur les États-Unis. Nous voulons tous, unis dans un seul corps, avec l'esprit de Tshisekedi, célébrer, fêter même la mort de Tshisekedi. Enfin, de démontrer au peuple des nations, de toutes les nations du monde, que ce monsieur était très important dans nos cœurs et pour tout le monde et tout le peuple congolais. Je ne sais pas si qu'elle me fait quelque chose à ajouter. Je n'ai pas encore ajouté quelque chose. Et surtout que, vous savez, nous sommes Africains. Nous sommes Africains, nous sommes ici aux États-Unis. Vous verrez que les Américains eux-mêmes, quand ils ont quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, et tous s'alignent derrière cette personne-là. Raison pour laquelle nous demandons à tout notre peuple, à tous nos frères et sœurs qui sont ici aux États-Unis, voire même nos frères africains qui habitent ici, l'État d'Iowa ou soit Illinois, vraiment de se préparer, d'être prêt lorsque nous allons lancer les invitations. Nous voulons voir tout le monde et nous devons aussi faire voir au monde qu'en Afrique, au Congo, nous avons perdu une très grande figure. Quelqu'un au rang de Martin Luther King que nous venons de perdre en Afrique, c'est une grande perte. Alors, nous devons tous se mobiliser comme un seul homme. Alors, attendre le mot d'ordre. Quand on va donner le programme, venir. Nous voulons montrer à Iowa que dans l'état d'Iowa, ils ont vraiment plairé le président Tshisekedi. Nous voulons voir même plus de 1000 personnes. Alors, ça sera vraiment une réussite pour nous. Je laisse la parole à mon confrère. Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose, surtout pour les Congolais qui disaient que Tshisekedi prenait l'argent de la mouvance, c'est-à-dire que M. Kabila a donné l'argent à Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse commencer à freiner les choses. Je crois qu'aujourd'hui Tshisekedi n'est plus. Cela veut dire que notre papa, notre grand-père, il était pour rien dans tout ce qu'on acquisait. Vous savez tous que si Tshisekedi, si Mobutu était arrivé à prendre congé de l'impère, c'était dû au combat de ses papas ici. Alors nous demandons aux Congolais de l'honorer. Que ceux-là qui sont en train de dire ou soit d'écrire des bêtises, qu'ils cessent, qu'ils soient derrière ses papas ici, qu'ils soient derrière l'IDPS. Parce que même en Afrique, il y a beaucoup des opposants. Ces opposants-là, ils ont pris la mentalité Tshisekediste.
il était notre, donc c'est un opposant farouche pour notre pays. Alors je demanderai aussi aux Congolais d'être derrière l'IDPS comme un seul homme, comme l'a dit notre frère Merlon. Les obsèques de Tshisekedi, c'est dans les prochains jours, mais soyons tous unis. Plairons notre papa Tshisekedi, l'IDPS vaincra. Merci beaucoup. En tout cas, chers amis, vous êtes en train de voir les Congolais. Ils sont réunis ici, dans la ville d'Ayoa. Sidi, ils sont là, en train de plaire. Monsieur Etienne Tshisekedi, ancien Premier ministre plusieurs fois, et prétendu président du Conseil national de suivi des élections qui auront peut-être lieu ou peut-être pas en décembre 2017. Papa Onésime, batou bakota layo, parce que tozawa na ville Ayoa, na kati ya état ya na ville Ayoa Sidi, na kati ya état ya Ayoa, tozo sala nini awa, parce que batou bazo monaka bolati mingi banwa bilongiza ya mawa eza likamu nini penza tozawa. Ezali, merci d'abord pour la parole Pessinga. Ezali pour la kotali sa ba Congolais ke tozana kati ya mawa. Mawa o tozana ngo etali mouvance présidentielle te etali pe opposition te mais etali Congo mobimba. Parce que Tshisekedi azali patrimoine national et international. Soko tali bien de bazo lele na Belgique de bazo lele na bamboke belé de ko comprendre que azala ki pona parti mo côté mais azala ki pona mokili mobimba. Toko senga na bana Congo bazala ini calme zala baye ba ke e bembe Tshisekedi bako le lango na désordre te parce que yazala ki mota désordre te il faut ba leleye na honneur pona ko leleye na honneur mutu nyonso azala na kimia a leleye na honneur tangi bembe ko ya bocha désordre te bozala na kimia peto sengi na gouvernement bazo ba disposition na bango pona ko honorer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Même le lo Kabila zana pouvoir c'est parce que Tshisekedi avait donné le mot d'ordre à Seke Mobutu a pe sa démocratie na mboka wana ndepe Kabila le lo a komi président toko senga bango tozala eloko moko biso nyonso tole la père de la nation congolaise qui est Tshisekedi le président ya démocratie na Congo ba lelaye na kimia makambo nyonso eleka na kimia biso pe bana Ayoa toko pesa bino programme d'ici là etali mutute ke onga na za muta parti boite etali congolais nyonso to sangana to lela Tshisekedi avec honneur. En tout cas, makambo lobi eza très important. Bato bazolanda yo, bato bakotala yo, mais nasala mutuna moko na nena yo ki yo lobi, c'est vrai. Bato bazo comprendre te. Ba misu bazoloba matanga oyo on dirait eza kaka pona bato oyo baza ba membre ya IDPS. Bato misu soupe baza kaka na confusion, bazo ko kanisa pe ke matango yo ezaka kaya baluba. Bon, na yebite, est-ce que okoki ko meka ko clarifier batu ko expliquer batu réellement muto akufi soki azala ki ko représenter nini et puis matanga oyo banani vraiment faut baler lango. Merci pour na kozongi sangali susi liloba. Matanga oyo etali d'abord muto nyonso tout celui qui est congolais. D'abord Afrique bazo lela Tshisekedi kaka yo congolais nde o ya koloba ke non eza matanga baluba eza matanga IDPS te matango pona biso etali mokili mobimba mutu nyonso ayebi ke aza congolais azala na est azala na nord azala na ouest etali ye ezala bawo bazana étranger ezala bawo bazana étranger te matango etali mutu nyonso yango nde tozo senga bango ba s'impliquer totalement na matanga wana. Tozo senga kimia ezala ba policier, ezala ba militaire, ezala mouvance présidentielle, ba tcha kimia, ba lela Tshisekedi na kimia, makamunyonso eleka kimia,
pour que tout à l'avenir y a Congo et ça n'est nini après le voyage Tshisekedi et ça m'attend des talibans loubate et ça m'attend des talibans IDPS et ça m'attend des talibans famille à Tshisekedi et talibans moutignons soit à congolais n'a pas mis les noms yomo aux témoins n'a pas image au talibans en Belgique. Je suis prosterné devant Tshisekedi. Je suis là, je suis congolais. Et je suis là, 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 je suis développement je suis là, 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 je tout le monde se retrouve derrière Tshisekedi. Et ça m'attend à Baloubate, et ça petit m'attend à IDPS, et ça m'attend à Congo Mobimba. Oza la Libanda, oza la Nakati, yeba ke m'attend à Oyo, et Tali Moutounoso. Nazo Zongela yo, parce que le rôle lobby, Makamboupe, à Azalagi, Kaka, Pona Baloubate, et Tshisekedi Azali Pona Boutoutou. Nazo Zongela yo, Pona Kessou et Tali parti na ye, parce que Tshisekedi parti. Papa se présenté rapidement. Batu ba yebio batu ba mingi ba yebio te soko se présenter puis oyebisa batu et loko nini o retenir le col à souvenir et pas ya papa Étienne Tshisekedi o ya uti ko tika biso le 1er février 2017 papa Étienne Tshisekedi aza moto yo ke peuple o se présenter d'abord parce que mingi ba yebio na ayowa. Mais, les Congolais ont été en Europe, Europe, ils ont été en Europe. Oui, comme mon ami, papa Richard, toujours avons eu un problème. Toujours ça la poto le la parce que aza papa ou yatiki et lembo mouné dans la katia RDC. Et puis, kobune a papa wana et banda le lote, peut-être biso tozaki nan bana, tokuta papa na zo bunaka pona peuple. Mais le lote koli, peto boti, mais papa na zakaka na. Na moussala na ye. Yango to vandi, tozo tala, ma wana et zo sala biso le nom, papa na ndeng pe atiki biso, sans ki ala kam, sans même asala et l'omote. Mais les autres sont les passes mingi. Et que les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les papa qui papa Richard, navana leka epa ya Merlo batu bazomo na bino na lina yeba est-ce que Congolais azoko réaliser moto yo akei est-ce que Congolais azako yeba exactement Tshisekedi soka zalaki nani et loko nini ekoko sala ke mutu akanisa Tshisekedi sika zali soko kokiko soko yoyebi oyebisa bato oyo bakolanda yo kasi parce que tozoko comprendre te oui papa wana ata histoire na ye etikali pona mboka na biso même bano bakoya bako vivre histoire ya Tshisekedi parce que biso pe lève to yaki tokutaka pe histoire wana pe to moni e to kolina ye tina ndenge tozo kende malgré aye kotika biso na moma oyo mais même bano bakoya bakoyoka pe histoire ya papa na ndenge abundi pona mboka nyonso asali pona mboka mais mboka ekomi kozonga na ndenge ya keyetambola yango likolo ya makambo nyonso ezala bien malgré aye kotika biso histoire na ye ekosila te na kati ya mboka na biso na RDC même na bamboka bamindelo histoire na ye ekosila te en tout cas. Merci papa Richard pour le témoignage na yo pour na monsieur Étienne Tshisekedi oyo asilikoti kabiso peuple congolais ezana mawa Merlon batu ba yebio parce que ozala kama kasi na réseaux sociaux pour na ba défense o itali d'abord parti IDPS et puis na makambo ezana normal o ba congolais ba kuki kolanda o itali politique na lina yeba Merlon Nenge Étienne Tshisekedi akufi atiki parti na ye IDPS est-ce que IDPS ozala kaka parce que toyebi na Congo ezala kaka leader atala musique soki leader akeyi to mona ngo ba groupe ekufaka et ko zande moko te na IDPS parce que IDPS muto banayi ko incarner ngo muto zaki
elombe nango ye wana alali il dépense ko pantana te. Merci beaucoup pour la mutuna ndeko il dépense ko pantana te oyebi ke karande na zozong sayo na slogan na lobby le peuple d'abord. Il dépense c'est le peuple karande toujours loba il dépense ces ans sous parti te il dépense c'est commis état d'esprit. Et quand vous voyez les Congolais, ma Congolais nyons, pour que Congolais se sentir, à se sentir que réellement, nazama namboka, nazobu ndelamboka, il faut à se sentir que ça n'a qu'à tia IDPS. IDPS, et ça, les sous parti politique, et ça, c'est comme il y a comme sous. Et IDPS, et qu'on pense à la thé, parce que notre leader, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, a laki sa biso, ndengenini ya kulingana ndengenini ya kutravailler na bolingo ndengenini ya kuzala toujours ensemble et de combattre ensemble. C'est pourquoi vous avez vu qu'il est parti même très loin pour nakosala les missions générales là pour nakosala ba congolais nyonso baza l'ensemble pour que ensemble toyeba koma ko convaincre qui monguna justement parce que normalement tant on se ba bongo mingi ba ko douter parce que à son vivant, les partis avaient des problèmes. Normalement, à son vivant, les partis avaient des problèmes très sérieux. Est-ce que ils croient vraiment que IDPS existait? J'insiste pourquoi. Tomoni, en espace il y a une année, ou soit en espace il y a deux ans, changement de secrétaire général. Vraiment, les gens ont des doutes. Parce que normalement, il y a mon nom dans la vie présent, mon boulot dans la vie parti. Tout le monde a commis par elle et belé, les autres, tout ça, sont combien de IDPS. Bon, on ne sait pas. Leadership, selon Yomoko, Etienne Tshisekedi, le feu, a t qui est en IDPS et belé, ils ont un peu trop lourd. Parce que, IDPS et belé, ils ont un peu trop lourd. IDPS, papa Tchouki, Ousali, Togondima. Mais quand on parle de l'IDPS, nous voyons la base. La base. Pour ce que tant que l'IDPS est bien, c'est bien. Tout le monde a la base de l'IDPS, nous sommes bien. Et ça, c'est ici à mon côté. Alors, l'IDPS, c'est ça. Où il y a le peuple d'abord. Où il y a le peuple d'abord. Où il y a le bisika base. Parce que quand vous partez, si vous quittez, vous allez trouver que nous avons nos parlements partout. Les parlementaires debout partout. Vous écoutez que. IDPS, quand on parle de l'IDPS, même quand vous partez aujourd'hui au Congo, tout le monde est congolais ou bien tout le monde est IDPS, président Tshisekedi. IDPS, président Tshisekedi. IDPS, quand on cite les noms du président Tshisekedi, IDPS. Alors, l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est-à-dire que IDPS force naïe est à base. Quand on dit dans le IDPS est coupanzanaté. Ils ont des individus. Ceux qui sont individus, ils ont des individus. Ce n'est pas que la base va suivre cet individu-là. Bissot, toujours, il y a une idéologie. Il y a Congo, il y a Kozalana Bomoko, ini comme frère, soeur, de sorte que tu es Bagoma. Pour récupérer Makamambo, Kanabiso Nakatamabo, et surtout que le président lui-même nous a déjà dit que. Le Congo appartient à la jeunesse et la jeunesse doit se prendre en charge. Voilà, c'est là où nous sommes, mon frère. Papa Victor, en tout cas, Oyo Tukoyoka, Makamu Merlan Lobby, Ebela Batu, Bakota la Bisso, Bakota la Bino, Nalina Yeba, est-ce que Nenge Batu Misusu, Bazolo Bake, le président Etienne Tshisekedi, Akufi, article bi selo côté na yebité est-ce que malobana est justifiable parce que congolais alingaka kuyeba miloko nini atiki bon na kota na mituna bango te mais na mekampé ko interpréter peut-être bazo kanisa ceux qui osa politiciens faut tonga ba immeuble au tonga ba stade au tonga bandela bon na mimango bongo Etienne Tshisekedi atiki nini na Congo comme infrastructure parce que normalement ba Congolais bazolo baki Etienne Tshisekedi azalaka atiki nini parce que ça langage ba Congolais balobaka
yope na zongi solo mutuna na uyu toyoka Etienne Tshisekedi atikeli Congo atiki na atikeli biso nini na Congo. Merci madame, moi rectificatif mokeza papa fiston problème mes alités maloba ya ba oyo ba koloba ke papa Tshisekedi atikeli biso nini bazali banguna ya Congo. Moi na nyoso azali congolais né du sang congolais. Ceux qui les autres font dit ah toke na Belgique na France na Europe. La plupart bah expatriés bazana mikana e IDPS pona obaka ngunda. Et loka liboso na toye bana miyangwa. Poza mukana na mboka oyo fo ya posa bato ko sa membre IDPS mingi mingi basala ya. Pona koloba ki papa Tshisekedi atike biso nini ya na politique. Ceux qui ont côté la politique ont commis moto ya mbongo eza moibi. C'est du vol. Parce que un politicien eza ozo sala au détriment du peuple. Les politiciens côté ont commis na ba immeuble, ont commis na ba nini eza ki moibi. Parce que yo il faut pe ça au sale là, c'est dire tu es au service ya peuple. Papa Tshisekedi eloko anoko bonna makasi pona ba congolais ba yebande yango wana. L'état des droits. Et la kisi nini, moto nyoso azwa, oyo bako futa ye, oyo kongi na mongongo na ye. Ezate ko yiba ka monila poko, moto nyiba imeble, oto nyiba ndako, oto nyiba ekolo na mbongo, mo yibi ya pasi ya biso totoki. Ndo mibengi koza na mbongo. So ki moto ko lo bake, papa Tshisekedi atike lo kote, aza mongongo na ya kongo. Seki ya zaki mo yibi. Aza moto ya mbayi mbayi, oya nini kakazo mbongo, akoma na mbongo ebele. Ya moto olo biboy. Congolais nyo soyeba. O héritage papa tsiri la tiket biso. To mise en charge. To yeba mola moya ko yeba o yeba benga ka état de droit. Ya ko respecter les biens d'autrui, ya ko respecter pe ba bien de l'état. Politique ezali ko koma na mbango te. To za wana ka États-Unis. Président oya zali a Donald Trump. Albi mbongo na ye ya salaire ba futa yete. Ba che ya mwana pona ba œuvre sociale. C'est quoi Ibike? À côté on a pas comme un milliardaire était, mais à côté on a pas assez de la peuple américain. Au retour na yeso ratikini. Après qui président? Au retour na Obama, président Obama, au tikini tant comme président, na na yebi ko Obama awa na mboka oyo. Botanga langata institut moko supérieur d'Obama. Ou bien entreprise moko ya Obama. Ezalité, mais botanga bloko Obama sale. Oya ko lobake. Papa Tshisekedi atike lokote. Azali mongona ya Congo. C'est que hier azali moto ya ndongolo miso ya koyiba mbongo ya l'état oyo bato oyo basali ya ngo wala comment ya Tshisekedi toka nga badongolo miso okoti ko mona ba bato baza ba million na ba mbongo ebele mais peuple azo souffrir le Congo to komi na échelle ya pauvreté moko ya mabe ya pasi pona ba ndongolo miso to za ba mona pouvoir ya ngo komba wana papa Tshisekedi ya kei biso to zali. Ba Congolais boyeba, papa Tshisekedi atake yi, biso tozali. Ba dongolo miso oyo bokota politiki po boyiba ka mbongo. Boyeba ke miso na bino, tozali boso na bino. Tokotika bino te, biso na bino tiki suka. En tout cas, vraiment, batu bazo yo kayo, papa Fiston, olobi biloko msusu oyo, batu bayiba kate, tozana États-Unis d'Amérique, chers téléspectateurs, batu bazaga na Europe, belé, oyo bayaka wa, boye bayango misusu baza ba réfugié ba misusu bayaka na asile politique alors mikande belé bango ba komaka ezalaka ya IDPS wali za lokali boso oyo boye ba mutu oyo azaki président IDPS ye wana akufi a donc ezabilo kwa tiki bon na zo continuer papa die donné batu bakotala yo na lina yeba Tshisekedi le lois zate atiki mwana na ye. Est-ce que osa sûr que mwana na ye azana ba charisme net ya papa? Est-ce que osa sûr que mwana na ye akopese na o Italy ba débat parce que ba adversaire na bino politique eza MP je rappelle eza majorité présidentielle et puis na ba tumisusu. Siko o Italy ba débat na makamu Italy par exemple économie, na makamu Italy par exemple gestion de l'état. Na makamu Italy par exemple dans ma question sensible à l'état donc gestion ya mboka est-ce que mwana na ye parce que yo olingi ba tcha mwana a tambusa makamu mboka osa sûr que ceux qui lelo yo il y a un concert des nations
Félix Tshisekedi Tshilombo akokoka makambo ngo esengweza mingi pona mutuna wana na ko répondre boy balobaka esika nyonso ya malamu balakisaka yango musapi soki omoni mutu nyonso azolakisaka kaka musapi ke ndako wana eza ndako malamu ndako wana c'est-à-dire que boyeba ke progression mususu ekokota na ndako wana soki Tshisekedi lelo akufi azoloba na biso ke le peuple d'abord ce que mwana na yaza na kati ya peuple wana malgré za mwana na ye biologique asele biso eloko moko boye na kati ya makila soki biso bana na ye to biso toza bana na ye biologique te mais toza na eloko ya tiki kati na biso ya koloba ke bomizwa bino moko na charge omoni peuple ezotomboka peuple azozwa badecision na ye bongo kaka mwana na ye papa nyonso azalaka na mwana na ye chaque poko aza na makambo asololaka na ye mwana na ngai tala ndenge vie ekendaka tala ndenge makambo ekendaka soki ye Tshisekedi asololaka na biso na bamiting azolakisa biso ndenge nini mboka ekoki kozala a combien plus forte raison na butu ere bazalaka ye na mwana na ye aza na makambo oyo asi asela epai ya mwana na ye parce que bato nyonso balobi sans ye se koza ya IDPS te na bato bazoloba baza bapoliticien e bapoliticien ba haut cadre oyo bagéra mboka na biso sur le plan gestion ya mbongo ya boye soki mutu nete Félix amoni ndenge ya vivre na papa na ye papa na ye azalaka na lokoso te azalaki asoife ya pouvoir te azalaki asoife ya mbongo te parce que azalaki capable ya lelo mobutu apesa nyonso alingaki asala afandi na ye atiki politiki ekolaki mwana na ye akotambola kaka na makolo ya papa na ye po aconduire peuple congolais na but na bango oui justement parce que polémique yani ezosalema congo na biso etambusami na bato baprésident mingi bakritike ezali bazoloba baprésident ebele batambusi mboka na biso me baza na bapapie te ya classe mpe bamisusu balobaka bamisusu baza na expérience te batambusa balingi susu te ezonga yango moni bapopulation aza kolinga ayeba bien bien Félix Tshisekedi eloko nini asi asala asala wapi par exemple expérience nini aza nango na matière ya vie donc voilà baquestion oyo bato baza na mutu parce que congo na biso alobi tolingi te ezala congo oyo tomesanaki nango peut-être na banée avant 2017 na banée passée to na badécennie eleki ke chasse eloko pamba mutu azwi minduki aye azwi na ye bato bazolinga congo na mikolo eza koya ezala na badirigant oyo bayebi makambo azosala oza sir parce que bileli ekotikala bato bakolanda façon na oyo kotala makambo par rapport ya makambo ezoya mpo normalement congo etondi na bato ya mayele etondi na bato ya bwanya mpe congo elingi etelema ndenge esengeli oza sir ke lelo une fois Félix Tshisekedi premier ministre na transition oyo eke bavote ye parce que normalement ye mutu azoekane papa na ye pour le moment un jour akomi président oza sir ke akozongisa congo ndenge ezalaki na ba 1960 ti tokoma na 80 tobandeki kolia 3 fois par jour misala classe nazondima iyo ke Félix akoresure na ndenge nini je crois dialogue ya kanchach elobamaki ke dialogue ya mibale ekokota te el papa tien atelemaki ke dialogue ekota dialogue wana ekotaki dialogue eza biso bana ya ndako moko biso bana ya pays moko bakongole nyonso tofanda tosolola ndenge nini tokoki kolongola mboka na biso na crise je crois mutu nyonso auti kolanda ndenge senko abandaki koprocede kokende liboso na milulu ebandi oleka na mboka na biso ce n'est pas pour rien batiaki Tshisekedi azala président ya suivi ya bakor oyo babandaki kosala
C'est-à-dire que le président Silinga Kezalawana, premier ministre Azawana, mais géré Wapi, dans le comité des sages. C'est-à-dire que Moutoyaki a acquérir expérience naïe, Kati Namusala. Et la Zoya a zokouta dans la bateau, Oyo Bayaki Niboso naïe. Bakouinkilke mentalité telle, Awa Tozo Kendeboy, Awa Tozo Kendeboy. Problème est à Kofanda Bumoko, na Boyokan. Mais l'okwezo baby Sezanini, Moutoya Zoya, Oyemi Nayote. Sala boyote nga nazo sala boye pona ko profiter ko yiba mboka wana ezamabe. Alors soki basage bazali yeba ke sika basage bazali ezane loko moko te ko ki ko echoe. Oui, on a ko répondre de voir. Oui, oui papa Fiston ngoba ksa. Na ba ksa mo loko moko parce que bato bazo ko. Oui, bato bazo douter mingi. Eloko liboso ya mo ko pesa yo ezalo moko la gestion est un état d'esprit. Non des diplômes. Et l'on a dit que c'est moi. Je veux vous ramener à vos autres qui par exemple, à l'époque de Salomon. Salomon a un diplôme. Mais a commis à Israël, l'état le plus riche de tous les temps. Pour Balobi, je suis un bon homme à Salomon. Et à Mibale, récemment, je suis un bon homme à Chine. Il y a un diplôme à Naye, tu es bien à un diplôme. Ça veut dire ceci. Au coup qu'on a diplômé d'avoir d'agnos, bah il y a un Congo, Moza, Mota Dongolomi, Soza Moïbi. Au même moment, Rambo Kanabiso Pinabu. Actuel président de la République, Oyo Azaliao. Nous rappelons l'actuel président. L'actuel président, c'est Monsieur Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila. Azali diplômé. Bah, pèse qui est diplôme en licence. Na line azoki online bon on a jamo bino mako pendant 15 ans il y a pouvoir kena na Kinshasa poubelle na poubelle pour vous dire so total ipe autour na ye ba mata tamponyo mapon ba tulokola ba professeur Mabi Mulumba ba il est entouré de professeurs de docteurs en droit de ba salenini pendant 15 ans pour vous dire que la gestion c'est un état d'esprit. Ça dit au coup que gérer mboka au coup ça va diplôme na yo mais so ko na makanisi ya mbayi mbayi na moto na yo nyoso to na za nul ya mo moni fele Tshisekedi étant donné que azana germe ya papa Tshisekedi ya ko za na droitier ya mba so ko banga ye ya mo voyer rassemblement qui poste premier ministre ça décalé po ba yebi qui est ce monsieur. De quoi il est capable que ceux qui battent le premier ministre, tous ces voleurs là seront en prison. Et bah il dit bazo banga, il y a un peu la banga que na kota bolo kote, bazo banga Félix Tshisekedi a comme premier ministre. Ça dit il sait gérer, qu'on gère mboka ça qu'on connaissait qu'on gère entreprise non, qu'on gère mboka il faut avoir l'esprit sain et mon esprit sain on a tout le monde n'en est pas là. Chilombo, il est clair d'ailleurs des pèses bon mon ami non moi ce qu'il a fait pendant l'absence il y a Félix n'a pas eu à limiter papa et tiens n'a malade. Tu l'ombo Félix a bounani que a zongi sa IDPS n'a imité. A l'ombo le microbe n'y a surtout ma nobe sa IDPS. Minou mon a gamo. Et bon moni c'est qu'il a fait de l'IDPS. Tosi siège n'a pas eu à 19